parti, on emmène nos skateboards. C'est parti, on se balade au dehors. On s'amuse des heures de suite. Chante avec nous, l'air des super petits. Mini aventure super chouette, nous sommes toujours prêtes. Oui, prêtes. Il n'y a aucun problème qui nous inquiète. Et tout ensemble, on atteint la destination. Sans problème. On arrive à la grande célébration. Ça veut dire beaucoup pour nous. Tant de choses à voir dans ce monde qui est le nôtre. Le temps file et il y a tant à dire. Grande ou petite, c'est cool d'être là l'une pour l'autre. Moi, à mes côtés, je n'aurais jamais dû mieux choisir. Ça veut dire beaucoup pour nous, ouais. Les super petites sont bien les meilleures. On ne voit pas passer les organisé une journée surprise pour jouer avec mes meilleurs amis. Tu as organisé une journée surprise pour jouer tout en fêtant ton anniversaire? Est-ce que je rêve? On joue comment? Derrière chaque porte, vous découvrirez une activité d'anniversaire. Et nous devrons toutes les franchir avant que mon anniversaire se termine. S'il vous plaît, si je rêve, ne me réveillez pas. Commençons tout de suite. Ensemble. Hashtag le dressing de rêve. Wow. Wouhou. Je me sens merveilleuse. Tu veux dire comme une princesse. C'est la dernière porte. Ensemble. Ouvre ce gros cadeau. Oui. Oh.
de la 7e porte est éclaircie. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. On te souhaite un joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai eu une fête d'anniversaire royale. Mais le meilleur moment de la surprise, c'était de pouvoir la vivre avec mes amis. Vous êtes prêtes? Mon anniversaire est peut-être fini, mais mes amis seront toujours là. Les meilleurs amis pour toujours et à jamais. La reine Delphina nous a dit de parler aux fées papillons. Hein? Là? C'est sûrement une fée papillon. Oh, la montagne de la gratitude est dans un endroit froid où la neige s'étend aussi loin que porte le regard. Je sais où elle est. Sûrement au pays des merveilles de l'hiver. Mais par où y va-t-on? Ah, la tyrolienne va nous y mener. C'est affreusement haut. Courage, les filles, nous pouvons y arriver. Jamais réussi à gravir cette montagne. Oh, c'est ridiculement difficile, mais je suis reconnaissante d'avoir pu essayer. Je suis reconnaissante d'avoir trouvé la montagne. Je suis reconnaissante pour le karaté. Je suis reconnaissante pour la science. Pour ma famille. Je suis reconnaissante pour mes amis. Je suis reconnaissante d'être enfin arrivée au sommet. Et moi, je suis reconnaissante de vous avoir eu à mes côtés pendant la montée. Je ne sais pas vous, les filles, mais moi, je me sens en pleine forme. Je crois que je suis reconnaissante pour la gratitude. Je me demande quelle récompense la montagne a pour nous. L'étoile polaire. Elle est si chaude et si étincelante. Oh, merci, montagne de la gratitude. C'était une nuit magique et dans toute la maison, tout le monde retenait son souffle. On n'entendait même pas un... Surprise! Shani, c'est pour toi. Pour moi? Oh, merci, Polly. Et pour toi, Lila? Oh, un chien et un traîneau. Merci, Shani. Polly, et si tu allais jeter un coup d'œil derrière le sapin? Waouh! Merci, Lila! Tu sais que j'adore la vitesse! Oh, c'est vraiment la plus belle fête de l'année, n'est-ce pas? Et vous savez quoi? Offrir des cadeaux, c'est encore mieux que d'en recevoir! Entièrement d'accord! C'est si bon de répandre la joie autour de soi! Eh bien, nous avons vraiment beaucoup de cadeaux. Et beaucoup d'amis à qui les offrir. Mais tout le monde est dispersé. Comment allons-nous faire pour les voir tous en un seul jour? Eh bien, heureusement qu'en ce moment de l'année, tous les souhaits se réalisent. Grand-mère? Est-ce que c'est un portail magique? Ce serait la solution idéale pour distribuer tous nos cadeaux à nos amis. Peut-on l'emprunter? Du moment que vous me le rendez au coucher du soleil. J'ai un long voyage à faire et j'en aurai besoin. C'est la fête des cadeaux. Allez, filez vite! Joyeuse fête, reine Delphina! Merci! On te souhaite une merveilleuse fête, Nicolas! Wow. Bella! Un petit cadeau pour ta petite jungle! Oui! Une maison en pain d'épices pour notre petit bonhomme préféré. Oh. Youhou! Maman, on t'apporte de la compagnie. Pour une sieste toute douce. Princesse Rain, nous avons plein de cadeaux pour toi. Wow, vite! Le portail se referme. Déjà de retour, vous avez vu tous vos amis?
Oui, et ils ont adoré leur cadeau. Mais il nous en reste un tout dernier à offrir. Grand-mère, ferme les yeux. Maintenant, tu peux les ouvrir. Waouh, la ressemblance est stupéfiante. Oh, merci les filles. La neige est froide, mais ton cœur, lui, est chaleureux, grand-mère Pocket. Vous avez toutes été incroyablement généreuses aujourd'hui. Et à présent, c'est à mon tour. Ah bon? À qui vas-tu offrir des cadeaux? À autant de personnes que je le peux. Bon, où est-ce qu'on va cette fois? Dans cette brique de jus de fruits. Super voyage! Waouh! On vient d'arriver dans une forêt tropicale. Trop chouette! Partons en exploration. Et regardez, on a chacune un scooter. Je prends le rose. Waouh! Oui, j'adore. Oui! C'est quoi cette chose devant nous? Ça doit être la brique de jus de fruits sur la carte. C'est une terrasse dans la forêt tropicale. Il y a même une maison polynésienne. Et il passe de la très bonne musique. Cette chanson est géniale. Ça a tout l'air d'être l'endroit parfait pour se prélasser et se détendre. Mais comment on va faire pour traverser? La rivière est sur le passage. L'eau est trop profonde pour qu'on puisse continuer, que ce soit à pied ou avec nos scooters. Longeons la berge, on devrait bien trouver un coin où il y a moins d'eau. Regardez ces pierres, elles sont belles. Peut-être qu'elles indiquent justement là où on peut traverser sans risque. Il faut que je filme ça pour mon vlog. Coucou tout le monde, c'est nous, Polly, Shani et Lila. Soyez les bienvenus dans ce nouveau vlog. Comme vous pouvez le voir, on est fin prête pour Halloween. Des déguisements, des bonbons et des frissons. D'habitude, on va frapper chez les gens avec Nicolas. Mais cette année, sans nous donner plus d'explications, il a dit qu'il ne pouvait pas venir. Du coup, on a mis en place un plan B. Un super voyage pour une aventure pleine de frissons. Super petit! Bon alors, on va où cette fois? Au parc d'attractions. Wouhou! Super voyage! Wouhou! Tout le parc sans personne d'autre. C'est vrai que ça fait un peu froid dans le dos. Moi, je trouve ça plutôt chouette d'avoir le parc rien que pour nous. Oui, vous savez ce que ça veut dire? Aucune attente. Profitons-en. Oh, vous avez vu? Je crois que c'était un fantôme. Et moi, je crois que tu te laisses envahir par l'ambiance d'Halloween. Faisons une autre attraction. Hé, la citrouille là, vous l'avez vue? En fin de compte, on n'est peut-être pas toute seule dans le parc. C'est bizarre, je ne comprends pas. On n'a vu personne d'autre nulle part. Tu avais raison. Le parc d'attractions est hanté par des esprits. Là, ça fait un peu trop de frissons. Nicolas? Je vous ai eu. Tu te souviens du tour que tu m'as joué l'année dernière, Polly? Va-t'en, laisse-moi tranquille.
Eh bien, cette année, c'était à toi d'avoir peur. Oh. Bien joué, Nicolas. Tu nous as bien eu. En fait, tout ça, c'est grâce à toi. Parce que j'ai eu l'idée de vous piéger en regardant ton vlog. Attends une petite seconde. Comment tu es venu jusqu'ici? Bah, ta grand-mère m'a peut-être un peu aidé, j'avoue. Oui, évidemment. Grâce à elle, j'ai pu arriver ici bien avant vous et mettre en place toutes mes petites farces. Ah, je vois, tu as très bien préparé ton coup. Enfin, les farces, c'est fini. Maintenant, c'est l'heure de s'amuser dans le parc. Wouhou! J'ai passé l'idée. Aliana m'a écrit « Grand concours de chant ce soir au parc d'attractions ». Je ne crois pas, c'est vraiment incroyable. Ça oui, c'est incroyable que tu reçoives des SMS de l'espace. Vous croyez qu'on peut participer? Est-ce que tu peux nous inscrire? Peut-être que mamie s'en est chargée. Vous l'êtes déjà, avec un sourire. Super, les cours de chant de cet été n'auront pas servi à rien en fin de compte. On va pouvoir présenter la chanson qu'on a répétée ensemble. C'est l'occasion rêvée de montrer mes talents à la batterie. Et moi, mes talents à la guitare électrique. En avant! Le parc sera l'endroit parfait pour dévoiler notre nouveau morceau. Super petit! Super voyage! Oh. Je suis trop contente de vous revoir, les filles. Il s'est passé quelque chose et maintenant, les éclairages ne fonctionnent plus. On ne peut pas faire le concours sans éclairage. Oh, les filles! Vous vous souvenez du champ de boule à facettes au pays des lamas? Mais si! Ils ont comme des champs de terre pour légumes, sauf qu'ils cultivent des boules à facettes. Ah oui! Ne t'inquiète pas, Aliana, on va arranger ça. Vous êtes prêtes? Bonjour, vous trois. Vous aussi, vous avez envie de faire du jardinage pailleté? Plus ou moins. Est-ce qu'à tout hasard, vous pourriez nous donner quelques-unes de vos boules à facettes? Le grand concours de chant qui a lieu au parc d'attractions va être annulé si on ne trouve pas de quoi remplacer l'éclairage. Oh! Annuler un concert? Alors ça, non. Les lamas font tout pour soutenir l'art. Prenez autant de boules à facettes que vous voulez. Merci infiniment, Dan. Tu viens de sauver le concert. Tenez, j'ai aussi un petit cadeau pour vous. Adorable. Merci encore. Et maintenant sur le plongeoir, mesdames et mesdames, Polly Pocket. Oui. Merci. Merci infiniment. J'appelle ça le plongeon du cygne. Superbe plongeon, Polly. Oh, waouh! Mais n'oublie pas, il est temps de se préparer pour l'anniversaire de Mamie Pocket. Oh non! Les filles, j'ai besoin d'aide. Je n'ai pas encore trouvé ce que j'allais offrir à Mamie Pocket pour son anniversaire et c'est maintenant son anniversaire. Ne t'inquiète pas, Polly. Nous allons trouver le cadeau idéal. Oh! Excellente idée, Chami. Nous partons vers l'arc-en-ciel. On rajoute encore des ballons? Oh, bah, elles doivent se préparer. En fait, je crois que ce serait bien d'en avoir plus. Waouh! Cet endroit est aussi magique que Mamie Pocket elle-même. Ici, on trouvera forcément le cadeau idéal pour elle. Vous croyez qu'elle aimerait un trône royal? Non, impossible de l'emmener. Waouh! Oh, bonjour, mon tout beau. Les filles? Oups! Tiens bon, Shani! Les filles, vous croyez que j'en fais trop pour la fête? Tu es magnifique! Mais nous n'avons toujours pas trouvé le cadeau idéal pour ma grand-mère. Et nous n'avons plus beaucoup de temps. De temps? Le temps! Les filles, allons vite au village anniversaire! Là-bas, on trouve tout ce qu'il faut de A à Z! Excellente idée, Lila! Là-bas, on trouvera quelque chose, c'est sûr! La mission anniversaire commence! Séparons-nous! Oui! Et elle n'a laissé derrière elle ni trace, ni indice! Non, rien!
Elle s'est évanouie dans les airs. Peut-être qu'elle avait encore faim. Ah, jusqu'ici, tout ce que j'ai trouvé, c'est un vieux bonbon. C'est toujours plus que ce que j'ai trouvé. Oh, bonjour, jolie licorne. Incroyable! Où as-tu trouvé la couronne de Goldie? Cette couronne doit être très lourde. Laisse-moi la porter à ta place. Oh, parfait. Mais elle te va bien mieux qu'à moi. La clé d'or! Ah! Goldie, mais qu'est-ce que tu faisais là? Je t'ai cherché partout, je voulais te donner ceci. Mystère résolu. En fait, Goldie t'avait entendu dire que tu avais une surprise. Et elle a voulu t'en faire une aussi en allant chercher des ballons. Mais elle s'est un peu laissée entraîner. Affaire classée. On a réussi. Dites les filles, c'est seulement moi ou passer la journée dans un cornet de glace géant donne une fin de l'eau. Oh, rendez-vous au stand de glace. Laissez une petite place pour le pique-nique du déjeuner. Je suis tellement impatiente. Ma maman prépare ce grand pique-nique de la famille Pocket depuis des semaines. Bonjour, ma puce. Nous avons une urgence, Pocket. L'orchestre que ta maman a engagé pour le pique-nique ne pourra pas venir. Wow. Pauvre maman, elle doit être horriblement déçue. Nous devons trouver une solution. Quelqu'un a une idée? Si l'orchestre ne peut pas venir jouer, nous le ferons. Qu'en dites-vous, les filles? Oui, bonne idée. On va s'amuser. Mais pour arriver là-bas à temps, il ne nous reste plus qu'un seul moyen. Polly, tu es venue. Et quelle rapidité! Oui, on a pris un raccourci. On est arrivé à temps? Oui, vous êtes juste à l'heure. C'est parfait. Vous êtes prêtes, les filles? La 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 la! Oui, je suis prête. Mais prête pour quoi? Surprise! C'est nous qui allons remplacer l'orchestre. Bonjour, Little Town. Permettez-moi de vous présenter les amis Pocket. C'est parti! Tu dois toujours croire en ce qui vient de toi. Il faut que les plus petits osent les plus grandes choses et crier tout très fort que tu peux battre des records. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce, Polly Pocket, allez, gagne la partie. Si petit et si grand, nous les filles on agit, on a le pouvoir aussi. Si petit et si grand, même si on se sent petit, on peut gagner la partie. Car être petit, c'est briller comme une grande. Polly Pocket. Frayeur, ce ne serait pas tout à fait Halloween. Regardez, c'est la piste de cookies qui mène à la machine à bonbons. C'est l'endroit idéal pour faire un bonbon ou une farce. On fait la course? Je ne suis pas sûre que ce soit le chemin qui mène à... Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vois rien du tout. Je savais qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Un bonbon ou une farce?
annuel de pâtisserie d'Halloween. D'accord. Mais on pensait qu'on allait recevoir des gâteaux, pas les faire nous-mêmes. Oh, bien joué, monsieur pain d'épices. Bien joué. Moi, j'adore les concours de pâtisserie. Enfin, j'adore les regarder. Je n'y ai jamais participé auparavant. Attendez, si c'est ça le bonbon, alors où est la farce? Il y a une petite difficulté. Les ingrédients et les ustensiles sont cachés le long du parcours d'obstacles. Ah, ça, c'est mon genre de pâtisserie. Youhou! C'est bien, continuez. Oui, allez, oui. Oh! Un champ de nuages? Tu peux y arriver? Rapide. Merci. Et toi, tu voles comme un oiseau. Tu crois que tu pourrais m'apprendre à le faire? J'aimerais beaucoup m'entraîner avec toi parce que... Un bon entraînement est la clé de tout. Avec grand plaisir. Moi aussi, s'il te plaît. Mais d'abord, deux gagnantes signifient une fête deux fois plus grande. Tu peux aller me chercher des autres fleurs, s'il te plaît, Polly? Pas de problème, regarde. Impressionnant. J'ai trop hâte de voir le feu d'artifice. Et de dîner. Et en particulier le célèbre gâteau aux carottes de maman. Oh non, les carottes. Oh, je savais que j'avais oublié quelque chose. Pas de soucis, maman. Shani, Lila, nous avons une urgence carotte. On peut se retrouver au coffret des lapins? J'y serai en devant. On arrive tout de suite. Merci, les filles. Je savais que je pouvais compter sur elles. Je reviens tout de suite avec l'ingrédient manquant. Vous êtes là. Évidemment. Que ne ferait-on pas pour le gâteau aux carottes de ta maman? Il faut se dépêcher pour ne pas rater le feu d'artifice. Allons-y. Tu arroses. Et je déterre. J'y arrive. Presque. Peut-être qu'elles ne sont pas prêtes à être récoltées. Oh, mais on ne peut pas faire un gâteau aux carottes sans carottes. Ah, en voilà. Oh, où est la carotte? Suivons ce lapin. Oh, je vais bien. Je te tiens. D'équipe, c'est la clé de tout. Oh, dis donc, mon petit bonhomme, tu es drôlement rapide. Je te promets qu'on t'apportera une part de gâteau aux carottes. Oui, promesse de Polly Pocket. Et maintenant, filons. Oh.
Mais où avez-vous bien pu dénicher ces délicieuses carottes? Disons que nous les avons attrapées en courant comme des lièvres. On va jouer dans la neige en attendant Shani et Lila. Wouhou! On va faire de la luge, du ski, patiner et boire du chocolat chaud. Wow, je vais bien. Oh, Polly. Tu te souviens de ce dont on a parlé? Marche comme un pingouin pour tester la neige. De petits pas avec les pieds orientés vers l'extérieur. Tu vois, comme ceci. Bonita? Ça ne va pas? Les filles sont coincées dans la neige! Maman, c'est Lila et Shani! Il faut les aider! Oh non! Vite, équipons-nous et partons! D'accord! Oh non, 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 non! Attends! Tu n'oublies pas quelque chose? Oh, bien sûr! On est encore loin, Bonita. Oh! Attends un instant. On a signalé un risque d'avalanche par ici à cause des chutes de neige. Et si on mettait ça? Parfait. Mais ne va pas trop vite et arrête-toi tout de suite si le sol semble sonner creux. Shani! Lila! Vous êtes là? Oui, on est là. Il y a eu une avalanche. Coincé de l'autre côté de cet énorme mur de neige. Compris. Tenez bon, les filles, nous arrivons. Je m'en occupe, maman. Me voilà. Écartez-vous le plus possible. Ah, c'est bon, tu peux y aller. Merci, Polly. Je n'y serais jamais arrivée sans maman qui sait tout sur la neige. Oh, toi. Merci, chérie. Et remerciez aussi Bonita, elle nous a trouvés juste à temps. Et maintenant, les filles, rentrons vite au chalet. Du chocolat chaud? Yam! Oh, oui. Vous l'avez bien mérité. Et qu'avez-vous appris aujourd'hui? Il faut toujours vérifier la météo. Ne jamais voyager sans une amie. Ou deux. Toujours emporter des vêtements chauds. Oui, et toujours mettre quelques guimauves dans le chocolat chaud. Oh.